I'm a banana. I'm a banana. I'm a banana. Look at me, man. Yeah, yeah. I'm a banana. I'm a banana. Flamap, c'est Navi Asme du Feu et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment faire comment modifier une page internet avec le menu F12. Alors du coup j'ai lancé Chrome. Alors déjà qu'est-ce que c'est le menu F12? Le F12 c'est le menu qui s'affiche quand vous appuyez sur F12. C'est pour ça que ça s'appelle menu F12. Donc et on peut s'en servir pour faire beaucoup de trucs pour modifier les pages internet. Du coup, aujourd'hui, on va pour ce menu F12, je vais expliquer comment modifier une page. On se retrouve, donc on est sur ma page YouTube. Et donc ici, donc on a, bah, par exemple, c'est un truc jaune qui s'affiche autour de ma souris, je sais pas ce que c'est. Donc on est sur ma page YouTube. Et donc ici, on va faire quelques petites modifications. Donc on va commencer par exemple par appuyer sur le menu F12, donc on va appuyer sur F12, ça va ouvrir ce menu. Alors ce menu, il faut faire beaucoup de trucs avec, on va cliquer sur le petit pointeur qui est ici, donc cliquez sur ça. Et par exemple, je vais modifier mon nombre d'abonnés. Donc par exemple, je vais faire un truc du genre, je vais mettre 1 million d'abonnés parce que je trouve que j'ai pas assez d'abonnés, alors abonnez-vous à la chaîne pour en ayez plus. C'est totalement de la pub gratuite, je sais. Donc, on clique sur abonner, donc là, à cet endroit, il y a la partie du code qui contient le texte. Donc là on entre dans le code de la page YouTube. On peut faire ça avec n'importe quelle page internet. Donc par exemple là c'est sur 22, on va supprimer 22 à la place, parce qu'on va mettre 1 748 665. Et donc là on est entré et tout d'un coup le nombre d'abonnés a changé. Et maintenant, on est à 1 748 655 abonnés. Bien sûr, les données, c'est que visibles par nous-mêmes qui ont fait la modification. Car si quelqu'un d'autre regarde sur un autre écran, par exemple, ça ne va pas marcher. Il ne va pas voir les modifications. Ça peut quand même faire des trucs drôles. Bon, là je vais faire une ellipse et je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut faire comme modification. A tout de suite. Ouais, mais par exemple là on a. Je mets quand même juste pour expliquer un petit peu. Là par exemple, vous voyez les espèces de guillemets ici. Là, il y en a deux et le texte il est entre les deux. Du coup là c'est le texte et si vous voulez le modifier, donc vous faites un double clic. Donc vous avez 22 abonnés. Là par exemple, vu que vous êtes déjà tous des chatons en feu et que moi je suis le dieu du feu. Par exemple, on va mettre le même nombre, 1 748 665, et à la place de abonné, par exemple, on va mettre chaton en feu soumis à la dictature. Dictature du feu. Voilà. Et là on met entrée. Et par exemple là voilà, on a. Donc vous êtes 1 748 655 chatons en feu, soumis à la dictature du dieu du feu. Et je suis allée très vite pour parler. Effectivement. Donc voilà, donc je vais continuer comme ça. Mais par exemple, il y a une autre type encore de modification qu'on peut faire. Par exemple sur les accueils et tous les onglets par exemple. Vous cliquez sur accueil. Et là par exemple vous avez 3 petits points à cet endroit là. Donc vous faites un double clic sur les 3 petits points. Vous refaites un double clic. Et là vous avez tout ce qui peut être mis. Donc accueil. Puis vous faites un double clic sur accueil. Et ensuite vous pouvez modifier. Par exemple vous pouvez mettre manger des gens. Voilà. Manger des gens.
Et donc on a l'onglet manger des gens. Bon, maintenant je vais faire une vraie ellipse et je vais modifier cette page pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et on se retrouve, et oui, j'ai beaucoup modifié la page. Donc par exemple, déjà, on a. Alors déjà, j'ai changé la barre de recherche, par exemple. En fait, si vous voulez enlever ça, on peut par exemple. Si on appuie sur F12, ça va fermer le menu. Ouais, déjà, comme ça. Bon, je sais pas du tout pourquoi j'ai jamais fâché sur The Voice en chaîne populaire. Je sais pas pourquoi, mais ça m'intrigue, c'est bizarre. Au fait, petite pub, n'hésitez pas à aller voir ma playlist musique de jeux vidéo. Voilà, c'était la petite pub. Donc, ensuite, là, il écrit tout ce que vous devez faire à la fin de cette vidéo. Là, donc, voilà, j'ai complètement changé, donc vous êtes mes esclaves. Et bah oui, effectivement, c'est pas le même titre. Et c'est de Jean-Michel Bruitage, ça fait 17 milliards de vues il y a 15 milliards d'années. Voilà. Et ça, du coup, c'est le Kiss 27 aujourd'hui. Et en petit test en direct, du coup, je vais essayer de voir si on peut. Là, le nom de la page, on peut le modifier. On va tester tout de suite. Non, on ne peut pas modifier le truc de la page. Ni l'URL d'ailleurs. Donc. Bah c'était tout pour cette petite vidéo. Après peut-être que j'en fais d'autres sur le menu F12 parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de trucs avec le menu F12. Bon c'était tout pour cette vidéo. C'était Nelly, est-ce que j'ai du feu? A plus tard pour une prochaine vidéo. Salut.